Good morning. Allez, Idan, tu seras aujourd'hui le lundi matin par Mordechai ben Yitzhak, Bavni Dvorah bat Esther et René Avraham ben Mordechai. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah complète de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Yevamah Perek Yud Gimel Mishnah Yudalef Gdola Vektana. Ba Yevamah la Gdola, Vechazar Ba la Ktana, O Sheba Achiv la Ktana, Lo Pasal et Gdola. Ba Yevamah la Ktana, Vechazar Ba la Gdola, O Sheba Achiv la Gdola, Pasal et Ktana. Rabbi El Azar Omer, Melamdim et Aktana, Shetema en Bo. Même principe que la mission précédente. Avec Reuven qui était marié avec deux femmes. Une qui était mariée à Minatora, une vraie femme, elle était grande. Et l'autre qui était une Ktana, qui était mariée d'elle-même, qu'elle n'avait plus de père, elle était une orpheline. Il a marié que Midrabanan. Or, après Reuven décède sans enfant, il faut faire la misoa de Yiboum. Or, il a une femme. Qui est une vraie femme mariée Minatora. Et il y a une femme qui est mariée que Midrabanan. La problématique, c'est quoi? C'est que si tu vas faire le hiboum avec celle qui est mariée que Midrabanan, il s'avère que tu n'as rien fait du point de vue de la Torah. L'autre, elle attend que tu lui fasses encore le hiboum. Et si tu vas lui faire le hiboum et la khalitza, donc il s'avère que finalement, tu as construit la maison du frère. Il a construit la maison du frère défunt avec la deuxième femme. Il s'avère que la première, tout ce qu'il a fait, c'était pas bon. Il n'avait pas le droit de la prendre. Donc dès qu'il va partir avec la deuxième, il s'avère que la première, il a plus le droit de rester marié avec elle. C'est ce que la Mishnah me dit. Gdola avec Tana, elle avait une grande femme et une petite, le frère défunt. Et après, il est décédé, bien sûr. Bah, Yavam à la Gdola. Le Yavam a décidé de se marier avec la grande. Il a fait le hiboum avec la grande, c'est parfait. Le Khazar au Balakna. Après, il décide finalement de se marier aussi avec la petite. Au Sheba Akhiv, Balakna, encore son frère, il décide de se marier avec la petite. Rien de grave, l'opassa à la Gdola, ils n'auront pas invalidé. La grande. Ils n'auront rien entravé à son mariage. La première va se marier sans aucun problème. Au même titre que quelqu'un qui avait de faire le hiboum à une de trois femmes, il décide de se marier avec une, après il décide de se marier même avec la deuxième. Ce qu'il a fait avec la deuxième, c'est n'importe quoi. Ça, une biat znout. Une marquette, est-ce qu'elle carrette ou pas? En tout cas, il ne peut pas se marier avec elle. Mais la première, elle reste sa vraie femme mariée. D'accord? Et là, à plus forte raison, quand c'est comme ça aussi, que la première était Minatora et la deuxième était Midrabanan. Par contre, si on dit, ils ont fait le contraire, ils sont trompés, que Ba Yavam à l'Aktana, le Yavam a commencé à se marier avec la petite sœur. Il a commencé à se marier avec la petite sœur, avec la petite femme. D'accord? Donc Midrabanan, pour le moment, c'est très bien, il a fait la mitzvah Midrabanan de construire la maison de son frère. Le problème, il est qu'ensuite, Bechazar ou Ba à l'Agdola, après, il a décidé de partir avec la grande, ou encore. Osheba arrive à la gueule encore son frère et il est parti se marier avec la grande. Il s'avère que maintenant, le deuxième qui va partir avec la grande, c'est un vrai Yiboum Minatora. Si c'est lui le Yiboum Minatora, alors il s'avère que le premier qui a fait le Yiboum, c'est un mauvais Yiboum. Il ne peut plus rester marié avec elle, il devra la divorcer. Ou attendre qu'elle grandisse. Et qu'il lui donne un guet. Il devrait lui donner un guet, en fait. D'accord? C'est ce que la Mishnah nous dit, vers Hazar Oba Lagdola. Osheba arrive à la Gdola, encore son frère, il est parti se marier avec la Gdola. Eh bien, passa à la Taktana, il aura invalidé la petite sœur. Il aura invalidé la petite femme, celle qui était mariée que Midrabanan. D'accord? Sur ça, on a Rabbi El Azar, pas Abelézer cette fois-ci, c'est Rabbi El Azar, Rabbi El Azar Ben Chamoua, qui me dit, comme ça c'est rapporté, ouais, et Rabbi El Azar Ben Chamoua, qui est Rabbi El Azar Omer, Melamdin Aktana Shetema Enbo. Rabbi El Azar, il dit, attends une minute. Pour le moment, on va quand même dans cette situation-là, là, où le premier s'est marié avec la petite, et après l'autre, il s'est marié avec la grande, et maintenant, la petite, il ne pourra plus rester marié avec elle. Il s'avère que malgré tout, il faut savoir, le grand non plus ne peut pas rester, l'autre qui a marié la grande, il ne peut pas non plus rester marié avec la petite. Parce que pour le moment, on a commencé le hiboum avec l'autre. Donc on a commencé le hiboum avec une. En théorie, Midrabanan, on n'avait plus le droit de construire la maison du frère avec l'autre femme non plus. En théorie, il faudrait divorcer tout le monde dans l'histoire. Sur ça, vient Rabbi Lazare, il m'a dit, deux minutes, j'ai quand même quelque chose de bien à faire. Hier, on va partir parler à la petite. Elle va dire que de toute façon, sa vie, elle est ratée. Elle est bloquée, c'est une divorcée, elle ne pourra plus se marier avec un Cohen, elle ne pourra plus se marier avec son deuxième mari. Alors, c'est déjà, refuse au moins le hiboum. Et comme ça, lorsqu'elle va refuser le hiboum, au moins lorsqu'elle va refuser le hiboum, le mariage du premier, alors elle va déraciner le mariage, et au moins le deuxième frère pourra se marier avec la grande. D'accord? C'est pour ça que Madame dit, Mataktana chez Temenbo, on apprendra à la petite de refuser le mariage. Petite parenthèse, si vous faites attention, dans la Mishnah précédente, on avait exactement. Cette Mishnah-là, ça colle exactement comme la Mishnah précédente, d'accord? Sauf que dans la Mishnah précédente, on a parlé
d'un mariage de Raïta et de Rabanan avec une femme intelligente et une femme sourde, et maintenant on a parlé d'un mariage de Raïta et de Rabanan avec une grande et une petite. Dans la Mishnah précédente, on n'avait pas dit de pouvoir faire le mi'oun, de refuser le mariage. Pour quelle raison? C'est très simple, il faut savoir. Tout ce que Chachamim ont instauré qu'une petite fille a la possibilité de dire que finalement elle refuse le mariage, c'est que pour une petite fille, mais pas pour une sourde. Il y a plusieurs raisons, ce sera plus évoqué dans, dans le prochain chapitre, dans le Pericul d'Alet. On va parler plus longuement du mariage de la sourde, j'espère qu'on se viendra d'expliquer la raison. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de mi'oun chez une sourde, juste chez la petite fille, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.